Salut tout le monde, c'est Road Shredding. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo bien spéciale. Parce que, comme le titre l'indique, j'ai fait un changement de moto. Eh ouais. Enfin, ce que je dis pas dans le titre, en fait, c'est que c'est un changement de moto, mais pas un changement de moto, quoi. En fait, je vais juste faire quelque chose de particulier sur celle-ci. Donc en fait, je garde ma Kawa, j'ai pas envie de changer tout de suite, et j'ai envie de la faire à mon goût, et je me lance enfin dans la customisation concrète de la moto, parce que ouais, bon, j'ai changé mon bidon, j'ai changé mes rétros, mes leviers, support de plaque, etc. Mais voilà, elle est beaucoup beaucoup plus belle comme ça, hein, c'est sûr. Mais en fait, je veux quelque chose d'unique. Bon, je sais pas si ça plaira à tout le monde, le principal c'est que ça me plaise à moi. La moto, c'est pour se faire plaisir. Je vais m'arrêter comme ça, je vais montrer la moto avant de faire tout ce que j'ai prévu de faire. Putain, c'est dangereux ça. Je vais le bouger de la route. Voyez, fraternité motarde. Hein. Hop. Je vais bouger ça de la route, c'est super dangereux là. Morceau de bois là. Les gens ils font pas gaffe quand même. Super dangereux. Bref. Je vais avancer un petit peu pour montrer la bête. Voilà, je pense qu'ici ça peut être cool. Hop, hop, et voilà. Bon, voilà ma petite moto d'amour d'aujourd'hui. Bon, elle est pas lavée du tout, hein. En même temps je viens de rouler, c'est normal. Voilà, donc une Kawasaki R6 blanche, un petit peu modifiée. Et par rapport à ce que je compte faire, c'est rien du tout. Là. Voilà, avec la belle petite sortie à Krapovic. Je vais toujours revenir. C'est vraiment une moto que j'adore. Bon, on va rouler un petit peu. Voilà. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire pour cette vidéo. Parce que ben. Mis à part la montrer avant et puis expliquer que ça va fort 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 changer, ben c'est tout ce que je peux faire. Hein. Mais ça me fait plaisir de le partager avec vous en tout cas. On va faire une petite accélération là. Normalement la prochaine vidéo ce sera justement quand je récupérerai ma moto. Au moins vous verrez directement le rendu quoi. Donc les deux vidéos sont côte à côte entre guillemets. Je pense que c'est pas mal. Je vous invite forcément à vous abonner, à liker cette vidéo. Et surtout mes amis, donc prenez soin de vous. C'est tout, tralala. Et à la prochaine. Allez, salut.